toujours difficile de débuter une finale, de commencer par... quand on est le premier, on sert un petit peu de cobaye au juge. Yann Cuchera qui s'entraîne aujourd'hui à l'INSEP, formé par Anatoly Vorontsov de Lyon, spécialiste des barres parallèles, qui passe aujourd'hui le professorat de sport en même temps qu'il prépare ses championnats du monde ici avec Soleil Wells, double arrière dans les barres. C'est un peu lourd sur cette partie de mouvement. Attention ici. Ah oui, petit déséquilibre. Voilà. La faute. Il nous avait fait l'amitié il y a de ça quelques mois de venir commenter une épreuve de cours du monde, le français. Et sa prestation, comme sur les allées, avait été parfaite. Et lui, il est certain d'aller à Melbourne. Il avait gagné sa qualification lors des championnats d'Europe en remportant la médaille d'argent d'Ebressen. Il avait terminé deuxième derrière l'Espagnol Manuel Carballo. Ouais, superbe ce plan. Alors on voit ici le déport sur le côté droit de la barre. Ouais. Donc ça résulte de manque de préparation. Ça, en ce moment, Yann Cuchera s'entraîne à peu près deux heures et demie par jour maximum, puisque c'est des études de haut niveau. Ah, c'est difficile de concilier les deux. De tout mener de front. Il va y arriver, motivé. Là, il a une pleine progression en ce moment. C'est là où on voit quand même le courage de tous ces athlètes.